She said she want me back. I never made a promise of a faithful tire. Till the day she got me called, I thought she was a... Bonsoir la famille. Bienvenue une fois de plus sur notre chaîne Buzz Pro Max TV. J'espère que le samedi est en train de se passer bien. Ouais, moi tout va bien de mon côté. Oui. La journée ensoleillée, oui, une petite balade là pour faire des petites vidéos, des petits podcasts. J'aimerais vous poser une question. Vous croyez que entre Axel, Meryl et Kimi, qui a plus profité de l'autre? Qui a plus bénéficié de cette union-là? J'aimerais que vous me donniez vos avis, vos commentaires. Oui, et sincère, s'il vous plaît. Soyez sincère. Moi, de mon côté, je vais vous donner ma part d'avis. Pour moi, je pense que du domaine popularité, les deux ont gagné un peu plus de popularité avec ça. Mais la personne qui a plus gagné en popularité, c'est Kimi. Durant leur période là. Oui, parce que beaucoup de gens savent, il y avait les gens, bon, les souverains connaissaient qui étaient Kimi. Mais nous, par exemple, au Cameroun, au Bénin, au Gabon, tous ces pays-là, bon, on le connaît, on savait que Makosso avait des filles, mais on ne savait pas de qui il s'agissait. Donc, beaucoup de gens, on a connu grâce à cette collaboration-là. Oui, Axel, de son côté, il a aussi un peu gagné en popularité, mais pas comme Kimi, parce qu'Axel, lui, était déjà quand même populaire. Axel avait déjà un compte TikTok avec plus de 4 millions d'abonnés. Et sur YouTube, il était déjà près d'un million d'abonnés sur YouTube. Et que vous savez qu'avoir un million d'abonnés sur YouTube, c'est pas facile. Oui. Et du côté où Axel a le plus gagné, c'est le domaine financier. Il est bien vrai que, bon, cette collaboration a aussi lancé la marque, fait la publicité de la marque de Kimi, KMK là et tout ça. Mais je me dis que financièrement, c'est Axel qui a plus gagné dans ça. Question argent, quoi. Donc, Axel, pour moi, parce que le clip Kimi, plus de 11 millions de vues, maintenant près de 12 millions, ça a dû remporter du sou et il a fait une tournée, vous comprenez un peu. Donc, Axel s'est bien quand même rempli les poches avec cette histoire-là. Donc, moi, je donne le domaine financier. Je donne Axel avec le plus bénéficié financièrement et domaine de popularité, c'est Kimi qui a le plus bénéficié. Oui. Donc, ça vous mène à évaluer qu'est-ce qui est mieux, gagner en popularité ou en argent. Oui. Parce qu'en gagnant l'argent, Axel a aussi gagné la popularité. Mais Kimi, en gagnant la popularité, cette popularité finalement va te faire gagner de l'argent parce que cette popularité te fait vendre les palettes. Vous comprenez un peu? Donc, vous allez voir. Donc, je dis que c'était une relation, c'était du donnant-donné. Chacun a gagné. Je ne sais pas. Je n'ai pas une table de mesure. Pour d'ici, je peux donner que c'est match nul. Mais tout ce que je sais, c'est que financièrement, ce qu'on dit, Axel et Kimi, qui a plus bénéficié en argent, c'est Axel. Et qui a plus bénéficié en popularité, c'est Kimi. Donc, c'est tout ce que moi, je peux dire là-dessus. Ouais. Vous allez me donner vos avis en commentaire. Oui. Et moi, je les aime, tous les deux. Qu'ils soient séparés ou unis. Je les préfère unis. Mais s'ils décident que chacun va prendre son côté, moi, je veux soutenir Kimi de son côté, dans ses projets, ses trucs. Et de partager ces vidéos et soutenir Axel de son côté. C'est comme ça. La vie continue. On va faire comment? S'ils ont décidé que la collaboration ne va plus fonctionner, nous, on souhaite que ça marche parce que il y a le projet du film ou c'est la télénovelle Asso. Moi, je préfère qu'ils fassent même ça comme une télénovelle Asso que un film. Un film, on va voir un film de 1h30, ça finit. C'est un truc qui doit durer une série au moins de 30 épisodes. Vous comprenez un peu. Moi, c'est mon opinion.
Ok, vous allez me donner vos opinions en commentaire. Oui. On se croit à très bientôt pour une nouvelle vidéo, la famille. Et la paix, eh bien, nous on prône l'unité africaine. Les divisions là, tel est ivoirien, tel est machin là. Nous on n'aime pas ça. Nous on n'est pas dans ça, s'il vous plaît. Nous on n'est pas dans les divisions là. Les gens s'attendent que je veux sortir là où je supporte Kimi dans ça. Oui, je supporte Kimi. Là, les abonnés qui sont sur ta page à cause d'Arsène, mais ils vont se désabonner. Pourquoi ils supportent Kimi? Ou bien tu dis non, je supporte Arsène. Là, les abonnés qui sont à ta page sont abonnés à cause de Kimi, vont se désabonner. Nous, on n'est pas à recherche des abonnés et tout ça. Et nous, on préfère poursuivre la vérité. Oui. On préfère poursuivre la vérité. Et la vérité, c'est que ces deux-là ensemble forment une équipe de choc. Pourquoi ne pas promouvoir ça? C'était qu'ensemble, ils ne foutaient rien. Ils ne foutaient rien. C'est comme tu me dis, ensemble, Diana Bouli et KS Bloom. Tu dis, mais ce couple, ça fout quoi. Un couple, ça donne. C'est un couple qui n'a ni tête ni queue. Donc tu dis, aka. Mais, tu vois, Axel, Mary, Kimi, ils sont dans la même dynamique. Ils sont dans le... Mais ça donne. Pourquoi on n'est pas supporté ce qui est beau? Pourquoi ne pas soutenir ce qui est beau? Soutenir ce qui est beau, oui? Mais comment? C'est ça. Donc, on préfère poursuivre ce chemin. Ceux qui veulent se désabonner notre page parce qu'on poursuit ce chemin, c'est leur problème. On sait au moins que nous, on suit la vérité. Ok, la famille, on se voit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous, bisous. Et n'oubliez pas de me donner vos avis en commentaire, s'il vous plaît. Qui vous pensez qui a le plus profité? Mais c'est dans le bon sens. Ça ne va pas devenir que t'es là à profiter sur l'autel. Ce n'est pas ça. On veut juste, c'est juste les analyses. On veut juste que vous fassiez des analyses. Ça ne va pas devenir maintenant un combat, s'il vous plaît. On se voit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous.